les gens sortent de leur cabinet, donc ça laisse un espace de désinhibition, j'ai envie de dire, et même de liberté, et en fait, ça aiguise leur curiosité. Donc ça fait quelques années que je viens, et à chaque fois, vraiment, on trouve un public très curieux, très gourmand d'apprendre, et très volontaire dans les exercices. Donc c'est toujours très agréable. Alors c'est des sessions qui sont relativement courtes, les ateliers, mais l'idée c'est vraiment de créer des prises de conscience avec quoi ils vont repartir, qu'ils vont pouvoir implémenter et peut-être davantage travailler par la suite. Ce qui est très beau dans les universités aussi, c'est le cadre, l'environnement qui participe à un état d'esprit curieux, enthusiaste. C'est les équipes de RUS aussi, j'ai envie de les mentionner parce que vraiment, vous permettez à chacun d'arriver et d'être soutenu, accompagné, enveloppé. Donc ça participe aussi à tout un esprit joyeux, de partage. En fait, il y a de la convivialité et il y a des apprentissages. C'est vraiment une alchimie des deux. Donc moi, je reviens tout le temps avec grand plaisir pour rencontrer les gens, pour rencontrer les équipes, pour être dans un cadre assez remarquable et pour transmettre ce en quoi je crois qu'il travaille sur la parole.